façon, personnelle, c'est quelqu'un qui aborde les choses d'un côté positif. Tout ce qu'il va dire, c'est positif. Il n'y aura jamais de négatif. Et s'il va apporter des corrections, ben, ça va être de manière réfléchie. Ce ne sera pas vraiment une critique. Donc, tu vas la prendre personnelle. Ça va vraiment être un commentaire qui va être constructif. Puis, dans l'entraînement, ben, moi, ça fait déjà 2 ans que je travaille avec lui. Parce que côté USL, ben, j'ai joué les 2 dernières années avec lui. Puis c'est quelqu'un qui est très structuré dans ses entraînements, où le timing est bon. Et ça fait en sorte que les entraînements sont bien structurés et qu'on ne travaille pas nécessairement toujours les mêmes exercices. On peut travailler les sorties aériennes, mais sous forme de tête. Pendant une semaine, on peut travailler des sorties aériennes avec une vingtaine d'exercices faciles. Puis, donc, les entraînements sont bien variés. Donc, de notre côté, ben, on ne se tanne pas non plus à faire toujours les mêmes choses. Puis, c'est pas toujours que de la répétition. Et ouais. À ce niveau-là, c'est bien. Ouais. Mm-hmm, exactement. Puis, je pense que ça fait juste améliorer notre groupe de gardiens, ça. Fait que si ça veut créer des méthodes, ben, ça va faire en sorte qu'on va lever le groupe vers le haut. Donc, c'est vraiment des bonnes choses, oui. Yeah, you know, we haven't gotten too much work in to this point. So, from what I know of him, you know, just being around the last couple of years and just kind of getting to have that relationship to start. You know, I think he's very intelligent with the sessions he creates, the passion he brings, the motivation he brings. And, you know, in goalkeeping, it's always evolving. The game, what it is now compared to what it was 10 years ago, it's completely different for goalkeepers. So, you know, I think he's, you know, very up to date on, you know, what's going on in those situations. And you know, going forward, you know, I think it'll be a good, it'll be a benefit for all of us. I think so. I think anytime you have any type of change, you know, and any type of new ideas brought in, you know, that switch of mentality is gonna, you know, bring out anything new. So you can take what you had, and then you can add to it, and you know, that's hopefully what we can do, myself and the group as a whole. On est content. On est content parce qu'on voit une continuation de l'année passée. Les jeunes qui sont rentrés ont bien fait. Les plus vieux, ils l'ont bien accueilli depuis qu'ils sont rentrés. Et maintenant, sur le terrain, on a vu aujourd'hui que n'importe quel système de jeu qu'on va jouer, les principes sont là, les vidéos qu'on a faites dans la salle, on l'a vu sur le terrain. Donc, on voit la progression, on est content, puis on voit qu'on est en mission pour cette année. Moi, je pense que la première chose qu'on a bien faite cette année, c'est vraiment mettre les profils de joueurs par poste. Donc, le moment où tu connais le profil que tu veux dans chaque poste, c'est plus facile à inviter des joueurs. Encore, c'est quelqu'un comme Aaron, on le connaît. On connaît depuis longtemps, on connaît ses qualités. Et c'est la même chose pour Wallace. Donc, c'est plus facile maintenant qu'on connaît les profils de joueurs qu'on veut. Et dans les trois jours qu'on était là, on a vu leur qualité. On est content jusqu'à maintenant. Que je suis vraiment fier d'avoir cette poste, ce travail avec l'Impact de Montréal. C'est déjà 3 ans maintenant que je suis ici et déjà je me sens vraiment proche avec le club, avec le Partisan, avec tous les entraîneurs ici, le staff ici. Donc oui, je suis tellement fier et je suis content d'avoir ce travail. Et maintenant, c'est mon travail de travailler fort et améliorer le niveau de notre gardien. Oui, je pense que premièrement, j'ai beaucoup de passion. C'est mon intérêt, c'est mon passion. Being a goalkeeper is my passion. And donc, je pense que that helps me a lot in the work that I do because I'm immersed in goalkeeping. I watch goalkeeping all day. When I'm back in the room in the hotel, I'm looking at goalkeeping stuff. I'm talking about goalkeeping. So I think when you have that type of passion, it helps in your work. And I hope that I can transfer that passion to the goalkeeping group. And yeah, that helps with being creative and having new ideas. And you know, and the bottom line too is I enjoy it. It's fun. When we go out there, we work hard, but we have fun. And I think that's really important. I feel actually fantastic. You know, I'm loving both sides of everything. I'm going through meetings with the coaches and being involved in that, and also helping out on the field and still competing. And you know, it's new and exciting for me, but it's also, you know, something I've been doing for 12 years. So it's a great step in my career, and I look forward to the year. I think it's more of a communal thing with the goalkeepers. We're all learning from each other and still working. Jack is the man, you know, and he's doing a fantastic job. I'm learning a ton from him already. So I think my role is hopefully going to evolve from not just the goalkeepers, but into the midfielders, forwards, and defenders as well.